Salut tout le monde, c'est Alex, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui c'est drôle parce que l'un de mes amis m'a demandé de lui faire un clin d'œil pour la vidéo. Bah oui, il s'est permis. Il m'a demandé carrément si je pouvais lui faire un clin d'œil perso dans la vidéo. Alors moi pour commencer, avant de participer et parler de ce sujet, écoutez, je vais vous montrer à peu près ce que je faisais pendant qu'il me demandait ça. Avant qu'il m'interrompe. Skeet on reach, skeet, skeet, skeet on reach, skeet, skeet, skeet on reach. Ben quoi, j'ai pas le droit de skier mon stylo? Bon, j'avoue, c'était pas vraiment ça à 100% que je faisais, une bien bonne chance, mais ou peut-être pas. Voilà. Sinon, aujourd'hui, pour la vidéo, rien de spécial, j'ai mangé un restant de pâté à viande pour le dîner, et c'était vachement bon, c'était vraiment super, super bon. Et là, comme que j'ai un peu faim, je vais manger mon dernier. Ça, c'est mon dernier bonbon qui me reste d'Halloween. Et genre, j'en avais genre des tonnes, je m'avais acheté des boîtes. Et attendez, je vais vous poser ici. Et attendez, je vais juste le temps que je l'ouvre. Vas-y. Oh putain, il a l'air dégueulasse. Attendez, je vais l'acheter. Oh non, je me garde. Je jette pas tout de suite, je jette avec vous. Oh putain, non! Pourquoi moi le con qui s'essuie sur son t-shirt dedans? Ah, attendez, je vais. Oh putain, allez. On va le mettre à la poubelle, plastique. Ah, voilà. Alors, ça c'est une petite Butterfinger, une barre de chocolat dégueulasse qui goûte le cul. Dégueu. Oh non, je troll un peu, mais c'est pas si dégoûtant que ça, mais putain, c'est pas si dégoûtant que ça, mais dans un peu, là j'ai les mains pleines de chocolat, alors j'ai des difficultés à prendre la caméra puis pour vous donner des belles zones, des beaux plans de la chambre de moi. Là vous me voyez, je tourne. Et là, je suis de nouveau normal, mais bon, vous voyez là, c'est pas ce début que ça, des Butterfinger, mais c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, Hiroville, ville où que tout peut arriver. Aujourd'hui il fait chaud, il fait pas chaud, mais il fait super beau, Stephenson. Il fait super beau à l'extérieur. C'est vraiment nice. Une belle journée d'automne. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'ai regardé beaucoup de films hier soir, j'en ai regardé un ce matin en me levant. C'était en français, ça s'appelle 50-50. Alors en anglais, je crois comprendre que ça s'appelle genre un truc comme 50-50. Ça met en vedette Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt. Je sais pas si j'ai dit son dernier mot, dernier nom de famille comme il fallait, mais c'est comme ça que je le voyais dans ma tête. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal tout ce que j'ai fait aujourd'hui et hier. Hier, j'avais pas beaucoup dormi, alors je me suis couché assez tôt. Donc voilà, j'ai pas eu le temps d'écrire. Et là, écoutez, là j'ai envie. Oh putain, non. Ah non! Je suis en train de briser mon bureau avec les lames. Attendez, je vais le prendre comme ça. Parce que oui, j'ai envie de mettre. Ben, c'est pas vraiment que j'ai envie, mais c'est que je dois le mettre. Mon gun 3D que je me suis acheté il y a pas longtemps, à peu près un mois. D'ailleurs non, je l'ai acheté il y a à peu près 3-4 mois, mais je l'ai reçu il y a à peu près un mois. J'aime ça le mettre, je trouve ça que c'est cool. Attendez un peu, je vais le mettre. Voilà.
Putain qu'il est fou mon gars, Freddy. Ok, je vais le retirer. Alors voilà, ça file déjà aujourd'hui, le day est presque fini. Et day, ouh, avec qui en bicyclette. Le day, et voilà, oh putain, je vais placer ça. Ouais, alors, écoutez, moi, je devrais, je vous casse les couilles encore. Wouah, je vous casse les couilles, et encore à cause que j'aimerais... À cause que je vais encore dire un truc que je dis à chaque vidéo, il faut que j'aille écrire. Il faudrait que je commence à écrire. Et il faut que j'aille écrire. Alors, moi, je vous dis que je vous aime. Je faisais hyper asthmatique hein, quand j'ai parlé. Je vous dis que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Allez, moi. À la prochaine. Ouais, c'est ça que j'appelle un beau stylo.